Aujourd'hui, jugement et dicton. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité sur votre blessure, et parce que vous n'êtes pas doué pour vous plaindre, et parce que vous ne voulez pas entrer en conflit, vous vous contentez de louanges et de remerciements, et ils ne se contentent pas du poignard du silence, qui demeure dans ton cœur, tant qu'il y a de la place dans ton cœur pour un autre poignard. Aucun droit n'est perdu sauf par le silence de son propriétaire ou la trahison d'autrui envers le titulaire du droit. La voix de la vérité continue d'effrayer les oppresseurs même si son propriétaire meurt, car la vérité ne meurt pas. Le faible est celui qui n'a pas le pouvoir de changer la réalité, et le servile est celui qui n'a pas le pouvoir de se changer. C'est au-delà de cela, ce n'est pas qu'ils croient ce qu'on leur dit, leurs esprits ici sont complètement annulés sans qu'ils s'en rendent compte, ils hypnotisent, c'est-à-dire qu'ils dorment, et ils sont conduits pendant qu'ils dorment. Ils te provoquent pour faire ressortir le pire en toi, puis ils disent c'est toi, non, ce n'est pas moi, c'est ce que tu veux. Les rêves de ceux qui dorment sur des plumes ne sont pas plus beaux que les rêves de ceux qui dorment sur terre.